Salut à tous les Weepers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors quand j'ai fait ma première analyse un peu en live de Kanye qui durait 30 minutes, j'avais un peu d'appréhension, mais vous avez été tous assez satisfaits a priori. Tous les commentaires ont été vraiment très positifs et c'est pourquoi aujourd'hui je vous propose de retenter un peu l'expérience dans une vidéo du même type. Bien sûr, on va changer de joueur. Je vais vous parler aujourd'hui de GW et de l'équipe Fnatic. D'une manière un peu plus générale, et on est sur un match donc des IEM Katowice qui les a opposés à Virtus Pro. Vous avez reconnu la carte, nous sommes sur deux Inferno, et on va voir un peu ensemble comment les choses vont se passer et comment Fnatic arrive à être vraiment dominant sur Inferno en ne proposant pourtant un jeu qui est vraiment très simple. Alors, comme vous pouvez le voir à droite de votre écran à cet endroit, on va avoir en gros 4 Kevlar dans les. Voilà, 4 Kevlar sur les joueurs Fnatic. Flusha est avec double flash et une smoke. Et ils vont faire une strat qui, honnêtement, la première fois et aussi la dernière fois que je l'ai vue, c'était une strat de mix. En général, c'est un pistol round qu'on met en place quand on commence une équipe parce qu'il marche bien et qu'il est assez facile à mettre en place. La force de Fnatic, c'est que. Concrètement, des petites strats très simples, ils en ont des tas, ils font quasiment que ça d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de grosses CPL à part sur des maps comme Cobblestone par exemple. Donc là, c'est que des strats très simples, mais elles sont exécutées à la perfection. Donc là, le principe de base de cette strat terreau pour le pistol, on a un joueur donc qui a du stuff et un autre qui a, et les quatre autres qui ont du Kevlar. Les quatre Kevlar vont courir dans ce qu'on appelle donc le petit mid. Ils vont arriver chez Arrête et ils vont arriver dans le T. Flusha, il va mettre une smoke vodka. Et en fait, il va lancer sa dernière flash en plein milieu du mid au moment où les terreaux vont décaler. Et du coup, l'essentiel pour ce genre de stratégie, c'est vraiment d'être, comment dire, très bien coordonné. Voilà. Donc voilà, GW, il est en première ligne. C'est pas hyper important. Il est en train d'ouvrir. Là, la smoke qui tombe, il se retourne, la flash pète et hop, on sort, on prend de l'espace. Vous voyez, ce que je trouve intéressant, c'est que GW, comment dire, vous voyez, il décale pas trop les zones, il décale pas trop le recoin à gauche, il décale pas trop cet endroit. Il est surtout en train de prendre beaucoup d'espace très rapidement. Et en fait, pour expliquer cela, moi, ma façon de voir les choses, c'est que je pense que clairement, c'est une anti-strat de la part de Fnatic. En effet, quand on regarde les Virtus Pro, leur stratégie c'est quoi? C'est ils avaient Snax et Taz dans l'appart, comment dire, l'appart en A, et ils ont donc trois joueurs qui étaient bananes, notamment Pacha et Bialy qui faisaient une agression, et Neo qui était plus en soutien sur le B. Dans tous les cas, la stratégie que sont en train de faire les Fnatic, c'est l'anti-strat parfaite pour bah, ce pistol round des Virtus Pro, c'est-à-dire qu'ils sont en train de passer dans, comment dire, dans cette vodka, dans la longue, et ils vont repasser au spawn CT pour aller planter en B. Du coup, il y a Neo qui va se retrouver plus ou moins tout seul, et comme vous allez le voir, clairement, GW sait exactement qui est là. Regardez, hop, il sait exactement à quel moment il va avoir un mec en face de lui, et du coup, voilà, c'est dur de l'affirmer à 100%, mais je trouve ça assez évocateur, et je pense que clairement, c'était une anti-strat de la part, comment dire, de la part des Fnatic. On peut voir qu'on a un Flusha qui est low HP mais qui va rester plus ou moins en coupe et les autres joueurs qui vont aller planter sur le B. On va voir un peu ce qui va se passer. Donc là, il essaie de récupérer une arme mais c'est déjà un Glock donc il laisse tomber. Il repère, ils savent pas vraiment où sont les joueurs en B, je pense. Ils savent pas qu'ils ont agressé. Dans tous les cas, à partir du moment où ils repèrent Pacha à l'entrée banane, là ils savent. Ils savent que les mecs étaient plus ou moins en aggro B et que si Pacha n'est pas tout seul, et ben c'est qu'il y en a un autre qui est dans la banane. Et vous allez voir qu'ils ne se font pas du tout avoir les Fnatic. Voilà, à partir de ce moment, ils savent que les deux sont en banane. Ils vont pouvoir planter la bombe. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est que Flusha vient de mourir. Et instantanément, voilà, on peut voir qu'il y a une très bonne communication au sein de Fnatic. Car Flusha, hein, dès qu'il meurt, il doit donner l'information qu'il y en a deux spawns CT. Et GW hérite du rôle de voilà, couvrir l'arrière-garde de l'équipe. Donc voilà, il va faire son petit move avec sa decoy. Il repère un joueur camion. Il repère le deuxième. À partir de ce moment-là, il ne faut pas qu'il se donne, et c'est ce qu'il fait très bien. Il est en train de se reculer jardin. Il a donné l'information à ses coéquipiers. Denis a pu faire un frag spawn CT. Là, il va obtenir l'information qu'il y a donc un mec spawn CT et un mec qui passe dans la piscine. Et on va voir que les duels vont se jouer vraiment très bien. D'abord, il va chercher le mec piscine. Et après, ils savent exactement où est le dernier joueur et il prend une énorme tête, mais pas de sa part, hein, je tiens à préciser. Donc voilà. J'ai passé pas mal de temps à expliquer ce pistol round, mais on a déjà pu voir pas mal d'éléments qui sont vraiment caractéristiques
pour Fnatic, c'est-à-dire du gros teamplay, de la grosse communication, des strats très simples, et puis voilà, une vraie cohésion d'équipe, voilà, c'est impressionnant en fait, c'est vraiment impressionnant. Deuxième round armée, JW, excusez-moi, est avec une AK-47. Personnellement, je ne suis pas très fan de l'achat d'une AK-47 dès le deuxième round. Je trouve que c'est plutôt risqué, ça peut très vite se retourner contre soi. Mais si les Fnatic font ça, c'est que pour eux ça se passe bien en général. Il n'y a pas trop à s'inquiéter. On peut remarquer une pause assez sympa. C'est quasiment du pixel walking, mais c'est pas interdit. Hein. Je tiens à préciser, c'est pas du tout interdit. C'est quand on se booste que c'est plus problématique. Donc voilà, on peut tenir sur le bord de ce lampadaire pour voir une ligne exotique. C'est-à-dire qu'un CT qui va décaler le mid, ça tendra jamais à ce que vous soyez en hauteur sur le lampadaire à cet endroit-là. Donc là, c'est juste pour l'anecdote. Hein. Donc voilà, une grosse phase de contrôle map. Et ça, on arrive du coup sur un autre point important pour Fnatic, c'est vraiment leur contrôle map. Comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup de grosses strats prédéfinies, mais il y a toujours des contrôle maps qui sont impeccables et qui ont toujours un objectif à l'origine. C'est-à-dire que Inferno, c'est une map qui a trois accès. On a en gros la banane, on a le thé et on a les appartements. Pour faire un contrôle map, on a donc un joueur en banane, un joueur plutôt pour le mid et un joueur plutôt pour le petit mid appartement. Et ensuite, d'un round à l'autre, les Fnatic vont adapter leur contrôle map pour aller prendre le contrôle d'une zone en particulier en début de round. Dans ce round-là, on n'a pas vraiment pu voir, mais en gros, Krims au début était dans le petit mid pour prendre les appartements à 3. On peut voir que maintenant, Hall of Meister est bien en place dans ses appartements. Mais des fois, on va avoir des contrôles mid ou enfin des contrôles map, excusez-moi, où les Fnatic vont prendre le contrôle de la banane. Ou encore une fois, dernière option, un contrôle du mid rapide. Donc voilà, ça c'est le principe de base du contrôle map, mais Fnatic, encore une fois, ils l'adaptent, ils font des calls au fur et à mesure des rounds, et ça se passe plutôt bien, en général c'est plutôt pas mal. Après cette grande phase de temporisation de contrôle map, on arrive dans la phase où les Fnatic vont prendre des zones. Donc là, ils ont pris, comment dire, l'appart au début de round, ça c'est fait, mais maintenant ils ont pris, hop, contrôle de la banane, comment dire, Flush et Crimson de le faire en binôme, et Denis et JW sont en train de prendre le contrôle du mid. Encore une fois, on arrive à peu près au niveau de la minute, et c'est plus ou moins le fonctionnement de base de Fnatic. Voilà, c'est un contrôle map, on prend les zones, et une fois que ces zones importantes, ces zones clés sont prises, on va pouvoir commencer à soit faire l'assaut final, soit faire des fakes, etc. Côté VP, on est en achat forcé et on fait un très bon pari. On fait le bon pari en tout cas de ce stack, comment dire, de ce stack en V, c'est-à-dire de jouer en étant nombreux sur ce site. Le principe, c'est de laisser les terreaux s'enfoncer sur une zone et après ils vont être au milieu de plein de crossfire et surtout ils vont pas être en supériorité numérique les terreaux comme ils le sont d'habitude puisque là il va y avoir un total de 4 défenseurs. Malheureusement, c'est un truc qui marche pas terrible contre Fnatic parce que autre point important de Fnatic, ils sont quand ils prennent des zones, ils sont très propres. Enfin, c'est très propre leur décalage. Ils sont très prudents, ils sont jamais naïfs. Et du coup, même quand ils vont remarquer que les mecs sont tous en B, ils vont continuer d'attaquer ce site bombe. Et vous voyez les comment dire les uns par rapport aux autres, les joueurs vont faire un taf de ouf. C'est-à-dire que là, les terreaux viennent de faire beaucoup de présence au niveau du spawn CT et les terreaux bananes vont prendre beaucoup de temps avant d'attaquer le site et dans tous les cas ça va se passer extrêmement bien. Pour la suite du round, on peut voir que JW est dernier donc il se retrouve en coupe. Il va laisser passer Taz, je crois, sur un mauvais timing, mais dans tous les cas, il se retrouve encore une fois à garder l'arrière de ses coéquipiers comme au round qu'on a vu juste avant. Là, voilà, il vient de repérer Taz. Et il va le faire tomber sans trop de problème. Le dernier joueur est dans la ruine, ils le savent très bien. Et JW va le faire tomber sans aucun souci. Suite du match, on arrive au troisième round. Toujours son AK en main. Ce coup-ci, on a une vraie écho de la part de VP. On a juste un Snax qui a acheté un Deagle. On part sur un contrôle map de la banane ce coup-ci. Contrairement au round d'avant, c'était un contrôle map plutôt autour du petit mid. Ce qu'ils ne savent pas, les Fnatic, c'est que VP fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils refont un gros stack qui vont être massifs. Et là, on va encore mieux voir pourquoi ça ne marche pas contre Fnatic. Regardez bien ce qui va se passer. Donc là, premier kill est pris. On pourrait croire que ça va les dissuader d'attaquer. Non, non. Ils vont tout de suite essayer de prendre de l'espace, de prendre des zones et de ne pas juste laisser ce kill impuni. Et là, même quand ils vont se rendre compte que les mecs sont en stack, je pense que là, ils se rendent compte à peu près à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a un mec C4, ils voient qu'il y en a un. Bobine et ils ont un autre mec qui a été tué qui était vers le spawn CT. Donc là ils savent que c'est un stack et ils vont pas repartir. Ils vont jouer leur duel tranquillement. Regardez, JW il va prendre de l'espace. Ses potes ils restent dans la banane pour couvrir la bobine.
Hop, et lui, il va ouvrir, il tue la bobine, il repère le dernier joueur, et ils vont le faire tomber tranquillement. Donc vous voyez, même dans ce genre de round très compliqué à gérer en terreau, hein, on ne pourrait pas croire comme ça, mais eux, c'est vraiment propre. Quand ils s'avancent, chacun se couvre, chacun sait ce qu'il a à faire, et dans tous les cas, ça marche bien, et c'est assez impressionnant. Clairement, c'est impressionnant. Premier round armé des deux côtés. Toujours pas d'AWP dans les mains de GW, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Je crois qu'on va repartir sur un des rounds qui a été assez impressionnant. Vous voyez cette petite flash, c'est celle que je vous ai montrée plus ou moins dans les spawns sur Inferno, celle qui permet de nettoyer complètement la ligne des mecs qui ont la ligne dans le T. Et on a encore une fois un contrôle map, ce coup-ci, petit mid, trois joueurs dans le petit mid, flush-up pour la banane, GW pour le T. Comme il est à la carte, il va s'avancer toujours dans le T. Il ne va pas rester loin comme il va le faire plus tard dans le match avec son AWP. Et là, on va partir sur une strat assez intéressante. Déjà, il y a cette smoke qui tombe. Alors, on va juste regarder. C'est une smoke CT. Hein. C'est les CT qui l'ont lancé. Et du coup, quand on lance ce genre de smoke dans le middle en tant que CT, on ne s'attend pas vraiment à ce que les mecs arrivent à 4 pour prendre le middle. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. Alors, on va juste regarder le point de vue de GW et après, je vais vous expliquer en gros comment les choses se passent. Encore une fois, c'est très simple. Flush A lance une flash. C'est tout. La flash part, les joueurs s'avancent. Et là, on a 4 kills qui vont être faits assez facilement. Bon, là, GW va un peu se donner en essayant d'aller cutter Bialy dans ce recoin. Mais voilà, vous avez vu, cette prise du T est extrêmement impressionnante. Enfin, minimaliste d'une part, parce que c'est juste une flash qui est lancée après une smoke DCT, et en fait ce qui est intéressant, c'est que les Fnatic clairement ont fait preuve d'un gros teamplay. Ils se partagent en deux binômes. On a un binôme, celui où il y avait GW qui part dans la longue, avec GW qui se colle à gauche et son coéquipier, je sais plus qui c'était, c'est pas grave, qui se colle à droite. Et de l'autre côté, on a deux autres joueurs qui partent de l'autre côté du T, et qui pareil, il y en a un qui se colle près du KJB et l'autre qui va décaler un peu plus large. Le but, c'est que du coup, c'est exactement comme pour la vidéo que je vous ai fait en parlant de Titan sur Overpass, quand il reprenait le contrôle du chantier. C'est-à-dire que les joueurs se collent chacun à une extrémité différente et ils vont s'avancer en même temps et ils vont pouvoir nettoyer les angles et se couvrir les uns les autres. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une double prise du mid. C'est-à-dire que d'habitude, ce que font les gens, c'est qu'ils bloquent un côté et décalent l'autre. Là, pas du tout. On décale les deux en même temps et les deux binômes marchent vraiment très bien, comme vous avez pu le voir. Et le A a été enfoncé complètement. On peut voir, il reste 1 minute 8 de round. Donc dans les 30 premières secondes de jeu, ils ont lancé cet assaut. Et c'est vraiment super impressionnant. Round suivant, on a enfin un AWP dans les mains de GW. Et ça fait plaisir parce que pendant de longs mois, GW prenait de moins en moins l'AWP par rapport à avant. Maintenant, c'est plus vraiment. Enfin, c'est faux. Enfin, maintenant, il a repris ce vrai rôle de main sniper pour son équipe. Il le prend vraiment souvent et ça fait plaisir parce qu'il a un style vraiment rapide, vraiment mobile, qui est très plaisant à regarder. Donc voilà, contrôle, je crois dans un premier temps, la même flash, encore une fois, que le round d'avant, la même flash que dans ma vidéo de despawn sur Inferno, et encore une fois, la prise du mid tranquillement. L'autre contrôle, c'est du côté des appartements, avec le duo Crims de Nice qui est en train de prendre possession. Et voilà, on peut voir qu'il est monté sur la charrette. Ils essayent de prendre ses appartements à 3. GW, lui, il est en contrôle sur le mid, il a un petit espace dans la smoke, donc il en profite. Je sais plus vraiment comment va se passer la suite du round, mais en gros, je crois que ça va être encore une histoire de gros teamplay. Voilà, des flashs qui sont mises pour commencer à préparer un peu la zone. Et là, on va décaler ensemble la votre cul. On a un joueur qui décale à... Voilà, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe en pause. Malheureusement, je suis désolé, je sais que c'est pas forcément intéressant les pauses, mais ça me permet de vraiment vous expliquer ce qui se passe. Les deux veulent décaler la votre cul. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop comment, mais ils ont l'air de savoir qu'il n'y a personne vodka. Et du coup, il décale à deux cette votre cul. On a le rifle, Crims, qui décale large. C'est vraiment, il va très loin dans ce T pour décaler plutôt le recoin à cet endroit dans un premier temps. Et GW, il est juste derrière lui, collé. Et lui, il va juste prendre la petite ligne ici. Et du coup, même si c'est Crims qui a fait les deux frags, le principe, c'est que s'il y a un adversaire qui est loin, eh bien, c'est Crims qui s'en occupe. S'il y en a un qui est prêt, c'est GW qui s'en occupe. Et dans tous les cas, s'il y a quelqu'un qui veut essayer de revenge en décalant, GW le couvre, etc. Bref, c'est une petite action de teamplay assez sympa. Et là, à ce stade du round,
Le A est quasiment pris. Ils sont conscients qu'en face, c'est des mecs en économie. Donc, ils vont être vraiment patients. Regardez, là, ils décalent vraiment les lignes une par une. C'est-à-dire que là, on pourrait croire que les mecs vodka vont pusher à fond. Mais non, ils laissent les mecs appartement faire le travail. Et voilà, à partir de cet instant, le dernier joueur est repéré dans la vodka. Et je crois que le round va plutôt bien se passer. Ils vont aller le chercher sans trop de problèmes. Donc, même si c'était un round écho, on peut voir que les Fnatic sont vraiment focus au taquet, au niveau du teamplay, au niveau du positionnement, au niveau des décals. Et voilà, ils sont intraitables. Tout simplement, ils laissent aucun espace. Petit truc ici qui est assez sympa, le frag qui est fait grâce à ce boost sur le pot de fleurs. Moi, ce genre de petite action de teamplay, ça me fait penser en fait au slogan du loto, c'est-à-dire que 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ça a l'air de rien, mais ce genre de petit move où on se fait la courte échelle, etc., si vous le tentez pas, de toute façon, ça ne passera pas. Et bon, je vous cache pas que ça marche plutôt, on va dire, grosso modo, une fois sur 5, mais dans tous les cas, quand ça passe, eh bien, ça ouvre clairement la map, parce que là, être en 4v5 dès les 10 premières secondes de jeu, ça fait vraiment... du bien en tout cas pour l'attaque. Donc pensez-y, il faut tenter ce genre de move. Et d'ailleurs on va voir un autre petit truc qui tente. Alors là on va voir un round intéressant. Comme vous entendez, Snax a repéré un joueur dans le KGB, c'est Krims qui est juste à droite. Il est en train de vider un chargeur. JW essaye de l'avoir à travers, mais dans tous les cas il sait que Snax n'a plus beaucoup de balles dans son M4. Et du coup il y a un timing à choper. Et du coup il traverse la smoke et il essaye d'aller le chercher. Il galère un peu malheureusement et il va tomber. C'est une excellente idée d'essayer de choper ce petit timing de rechargement. Franchement, c'est plutôt bien fait et ça fait plaisir. Clairement, c'est une très bonne décision. Malheureusement, petite erreur de la part de JW, c'est que justement, son pote qui était KGB et l'OHP, il est reparti. Et du coup, il a personne pour couvrir de la vodka. Et c'est pour ça qu'il tombe. Dans tous les cas, le round va être remporté, c'est pas dramatique. Mais ça commence à être une première petite erreur de la part de JW, même si ça partait d'une très bonne intention. On lui a redrop son AWAP. On est sur une pause que je vais accélérer au taquet pour éviter de voir ça. Cette pause va faire que les Virtus Pro vont plus ou moins prendre la décision de forcer voilà, l'achat comme on peut le voir. On a un Max Seven dans les mains de Snax, on a du Famas, etc. Et on part sur un contrôle, je crois que c'est la première fois, sur un contrôle côté banane. Alors, ça se passe plutôt mal, c'est-à-dire que Biadi a pris deux frags, mais dans tous les cas, ça, ils varient leur jeu, c'est-à-dire qu'après avoir fait beaucoup de contrôle, de contrôle du A, on a un contrôle enfin de la banane. Là, ce qui est intéressant, je vais faire une petite pause, c'est que Olof, vous voyez, Olof, il est juste ici, il a vu un joueur passer à part CT. Il a vu Snax passer. Je pense que Snax, il pense être en sneaky, il pense être pas encore découvert. Mais Olof, voilà, Olof, il a dit l'information. Et là, encore une fois, on peut voir que l'information va ultra vite. Parce que JW réagit instantanément. Il arrive directement, il va monter et il va aller chercher ce CT. Hein. Il va pas le laisser prendre d'espace, il va pas laisser prendre d'information. Il scope et il s'avance doucement vers lui et il le fait tomber. Donc, petite action anodine, mais qui montre, encore une fois, une bonne communication, un bon teamplay entre les joueurs. Et là, on arrive dans un round vraiment particulier. Voilà ce qui se passe. On a la bombe et JW pour prendre la banane. Leur but, ça va faire beaucoup de bruit pour faire douter plus ou moins les CT. Et pendant cela, Olof va faire le lurker. Là, c'est vraiment, c'est pas la coupe, c'est vraiment du lurk. C'est-à-dire que en 3v3, les CT ne peuvent pas tout couvrir parfaitement. Et Olof va en fait faire le bon pari avec l'appartement en s'avançant doucement. Pendant que Krims et JW font beaucoup de bruit, ils mettent des smokes, ils mettent des flashs, ils vont mettre des HE, et bien Olof Meister de son côté, il va s'infiltrer du côté du A, et là il a pris la zone, il va décaler vite faire le T pour essayer de choper une information, mais dans tous les cas, à ce stade du round, il sait que le A est free. Il sait qu'il n'y a personne back à sable, qu'il n'y a personne à part, que le A est free. Il sait que du coup, le dernier joueur en A doit plutôt être côté votre cul et qu'il y a au moins un joueur en B. Et du coup, bonne redirection de la part de Fnatic. On repart complètement du côté du A. On peut voir que la bombe a fait le tour par l'appartement pour ne pas se faire choper dans un vieux timing dans le T. Et voilà, bon planté. JW qui fait le dernier frag en revenge très propre. Bien exécuté, bonne décision de la part de Fnatic qui fait du bruit en B pour ensuite se rediriger en A. Enfin bref. Round achat forcé un peu de la part des Virtus Pro. C'est une agro mid. JW se fait pas surprendre, il surprend. Enfin, il arrive à faire tomber un premier joueur. Bon, un round pas très intéressant qui va bien se passer pour Fnatic, mais il n'y a pas grand chose à dire, on va dire. C'est pas grave.
Encore une fois, la WAP, round armée des deux côtés, contrôle du mid avec prise de la banane. Je crois qu'il y a une petite miscommunication de la part de Fnatic, puisque Denis est allé vraiment très loin pour prendre cette banane alors que les autres étaient vraiment reculés. Donc bon, je pense que c'est une petite erreur. Enfin bref, Hall of Meister, toujours en coupleur du côté A part, du côté A. Les autres joueurs qui font un boost dans la banane, c'est comme pour le round de tout à l'heure, c'est-à-dire que si c'est bien, il faut tenter. Et en plus de ça, ce boost permet d'avoir vraiment une bonne information sur le positionnement des CT en. Comment dire, le positionnement des CT en B, puisqu'ils savent qu'il n'y a personne dans ce qu'on appelle derrière le C3 et derrière le C4, et ça fait vraiment plaisir. Ils vont partir sur une grosse exécute, je ne sais pas vraiment ce qu'ils vont en faire. Peut voir que, enfin, une grosse exécute, je dis ça, mais c'est plus ou moins l'exécution classique, c'est-à-dire qu'on va avoir en gros bah, la smoke, spawn CT, et ensuite une molo qui est complètement ratée, je crois, de la part de GW. Voilà, elle saute en l'air, elle est complètement ratée, mais c'est pas grave. Ce qui est fait intéressant, exactement comme pour l'analyse de KennyS, GW, il sait qu'il avait qu'un AWP, c'est pas à lui d'être premier, il laisse les mecs passer devant lui, et surtout, voilà, dernier dans le push. Là, il faut qu'il garde des lignes de ce genre pour punir un mec bobine ou pour punir un mec jardin. Malheureusement, il va lâcher cette zone au dernier moment, et il va se retrouver à cet instant en situation de clutch 1v3. Et là, je vais essayer de vous décrire un peu comment il va réfléchir pour essayer de marquer ce clutch. Donc là, 1v3. Il faut qu'il aille faire un kill rapide, sinon il sait que ça va être très compliqué. Donc il va directement essayer de choper le mec spawn CT, mais malheureusement il le touche dans la jambe et ça ne fait pas de kill. Il sait qu'il y a un autre joueur qui était côté bobine, il doit se douter que le dernier va plutôt arriver côté banane. Donc là il va essayer de faire la différence directement et là il y arrive en prenant un premier kill sur Pacha. Là le 1v2 devient tout à fait jouable, il n'est pas encore sûr comme je vous disais de l'information sur le dernier CT. Il sait qu'il y en a un du côté de la ruine mais l'autre il sait pas. Là il essaie de récupérer une AK et là voilà, Snax l'a raté. Et donc là, il a l'information exactement sur les deux joueurs, sur leur positionnement exact. Et il va faire la bonne décision, selon moi. Ça va pas marcher au final, mais c'est vraiment la bonne décision. Il va prendre la bombe et il va aller planter un endroit que je vous ai conseillé dans Bomb Has Been Planted sur 2 Inferno. C'est voilà, planter C1. Comme ça, il est couvert à la fois des mecs qui sont spawn CT et des mecs qui sont bananes. Il fait que plante, il a 5 secondes. Ça va pas marcher pour lui, mais clairement c'était la bonne décision et ça aurait pu tout à fait bien se passer pour lui. Donc voilà un peu pour la gestion de son clutch. On arrive déjà au round 9. Comme vous pouvez le voir, comment dire, on arrive à la manche 10 plutôt. Les Virtus Pro viennent de mettre leur premier round et là c'est hyper important pour les Fnatic de mettre ce round-ci car ça va leur permettre de reset l'économie des Virtus Pro qui vont se retrouver sans une thune pour le round suivant s'ils le perdent. Donc contrôle classique, on part vraiment sur un truc plus classique avec deux joueurs bananes, deux joueurs petit mid et GW en contrôle. Là encore une fois, je crois qu'ils veulent se faire le boost, mais bon, Crims est déjà dans la banane et il leur dit les mecs, il n'y a personne de banane, ça sert à rien de faire ce boost. On va voir un peu ce qui va se passer par la suite. Encore une fois, prise de la banane très calme. On peut voir que la bombe est à l'opposé du côté des appartements, mais bon, c'est pas dramatique. Allez, je crois qu'il va y avoir un petit truc assez sympa. C'est en fait à partir du moment où GW va scope, Neo va smoke tout de suite. Et c'est un peu ouf, comme quoi, voilà, un petit scope, un petit clic droit avec la WAP, ça peut déclencher ce genre de réaction immédiate. 300 $ qui sont lancés pour, comment dire, pour bloquer l'entrée. Là, je trouve ça intéressant ce qu'ils vont faire. C'est la double HE derrière la smoke. Encore une fois, prise de décision mid-round, en fonction de ce qui se passe autour d'eux, ils prennent la décision de faire le double HE. Contre des joueurs comme Happy qui aiment bien se mettre juste derrière leur smoke, ça aurait pu marcher. Bon là, malheureusement, Neo est un peu loin, mais je trouve que l'idée est assez bonne. On fait beaucoup de présence en B. Le mid commence à être spot, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de frags qui ont été faits, et on arrive dans un round au profil un peu particulier. Comme pour KennyS, on a un GW qui se retrouve en coupe, ce qui est très peu courant. Son rôle, c'est d'intercepter le mec en B. Et le truc, c'est qu'à cet instant, comment dire, les taureaux ne savent pas du tout où est le mec en A. Mais ils savent qu'ils viennent de faire beaucoup de frags et qu'en toute logique, le mec du B va partir. Du coup, ce qu'ils vont se dire, c'est que bah, GW, son rôle, ça va être de choper ce mec en y allant vraiment doucement et ils vont en fait repartir en banane parce que voilà, ils savent qu'il y a un mec en B grâce à cette smoke, mais ils ne savent pas où est le dernier. Et à partir du moment où ils vont le repérer, voilà, ils viennent de repérer Snax dans le pit. C'est une zone très compliquée à décaler. On a beaucoup de mal à déloger un CT qui est bien planqué à cet endroit. Et voilà, bon, on a raté le kill, mais en gros, GW a chopé le mec qui était en train de faire sa rotation. Et là, les Fnatic n'ont pas hésité à faire.
La grande rotation, Crims qui repart par la banane, Olof qui se retrouve en coupe. Je crois qu'on va se mettre sur la vue d'Olof parce que il a une pause assez intéressante qui va pas marcher mais que je trouve pas mal en fait, que j'avais jamais pensé. Il va se mettre voilà, derrière ce pilier ici. On a en gros la ligne sur l'arche pour intercepter les mecs qui backeraient par ici et le pilier à notre gauche nous protège de la sortie kitchen. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment sympa comme pause, mais bon, ça va pas marcher et on va pas s'intéresser à la fin de ce round. Donc, comme je vous ai dit, à partir de cet instant, s'ils viennent de se mettre de ce round juste après avoir laissé les VP prendre un round, donc ils se retrouvent avec aucune thune. On peut voir qu'il n'y en a que deux qui sont au-dessus des 2000. C'est pour ça notamment qu'on a un Olof qui achète un MAC-10. Hein, c'est parce qu'il sait qu'en face, ça va être que des petits flingues. Et on va partir en gros sur un pistol round. On va partir sur un pistol round, ce coup-ci avec des armes. Comme dit JW en AWAP, il va être dernier dans le push. Et mais en gros, ça va être exactement la même strat. On a la même smoke qui tombe vodka, la même flash qui part, et les joueurs qui vont tous dans, la vodka. Malheureusement, on a Pacha qui prend deux frags, Crims qui revenge, Flusha qui fait un frag aussi, et là on se retrouve en situation de 3v3. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les Fnatic vont poser le jeu. Enfin, ils vont complètement freeze la game, et ils vont juste attendre. Là, le but, c'est de prendre des informations, comprendre d'où sont les mecs et pas se laisser encercler. On peut voir qu'ils ont chacun un truc, c'est-à-dire qu'on a Flusha qui a derrière, Crims qui a devant et JW qui a au milieu, en gros. Et les kills vont se faire chacun sur sa zone en étant juste patient et pas... Voilà, ils auraient pu s'empaler sur une zone ou l'autre, mais là, ils ont fait pour moi, ils ont fait le bon choix de laisser les mecs se donner, s'avancer, puisque les VP sont obligés d'essayer de prendre l'information sur ce que sont en train de faire les Suédois. Enfin bref, le score est vraiment en train de s'envoler, 10-1, ça commence à être vraiment catastrophique pour les VP, mais toutefois, les Fnatic vont continuer à jouer vraiment, à maintenir un niveau de jeu, c'est-à-dire que quand on commence à avoir beaucoup d'avance comme ça, c'est fréquent que on commence à faire un peu n'importe quoi, à jouer plus libéré, mais pour Fnatic, c'est pas le cas, hein. Ils sont focus du début à la fin. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment leur retirer. Grosse phase de contrôle sur le mid. Ça n'a rien donné. A priori, on veut vraiment essayer de contrôler le fond de cette banane à tout prix. Et voilà, petite flash de JW et on prend le contrôle du bout de cette banane parce que c'est vraiment une zone importante. En fait, à partir du moment où vous contrôlez la banane jusqu'à cet endroit, vous allez pouvoir faire des fakes vraiment efficaces parce qu'en gros, tant que les CT ne reprennent pas la zone, ils ne peuvent jamais savoir si vous y êtes à cet endroit ou pas. Et du coup, ils peuvent toujours avoir peur de redirection, de fake. Et c'est pour ça que c'est une zone vraiment clé et vraiment intéressante à contrôler. On repart sur un contrôle du T, sur une prise du mid plutôt. Chacun d'un côté, tranquillement, les stuff qui partent. Et encore une fois, ça c'est vraiment particulier à Fnatic. Enfin, c'est pas particulier à Fnatic, mais c'est vraiment bien joué de leur part. Parce qu'à partir du moment où ils lancent une strat, c'est-à-dire qu'ils vont mettre les smokes, ils vont pas y aller directement. Ils vont pas s'empaler sur la défense. Ils vont lancer la smoke et ils vont temporiser 5, 6, 7 secondes, le temps de voir s'il se passe quelque chose, si ça entraîne une réaction de la part des CT. Et après seulement, ils vont commencer à attaquer une zone. Comment dire, au niveau de la vodka, on peut remarquer qu'on a encore une fois le même principe que tout à l'heure, un joueur qui se colle à gauche, JW qui va se coller à droite. Et là, ils sont vraiment patients, ils y vont tranquilles. Voilà, on repère un mec derrière, on le fait tomber, on se précipite pas, on attend que le mec appartement fasse le travail, et voilà, le site est pris, il reste un dernier joueur à éliminer, c'est Denis qui fait le taf, donc voilà, très patient dans leur décal, dans les attaques du site, et ça c'est une de leurs plus grosses qualités quoi. Il a déjà 15 frags sur ce side, le petit JW, toujours en contrôle du mid. Pas grand chose à dire. On va avancer un peu pour voir ce qui se passe. Ça tombe du côté des appartements. JW, il va vouloir décaler ce T, j'ai l'impression. Je sais pas, toi, vraiment une grosse phase de contrôle. Ah oui, c'est un round super intéressant parce qu'on retrouve JW dans l'appartement. Alors, quand on est dans l'appartement avec la WAP, franchement, c'est pas dingue. Il n'y a pas grand chose à faire. Mais la façon dont JW va l'utiliser, ça va être. D'un point de vue teamplay, ça va être super intéressant. Donc déjà, il s'avance petit à petit. Il nettoie les lignes, on va dire tout à fait classique. Et là, il va prendre une première ligne super intéressante ici. Vous voyez? Il a vu le mec passer. Il n'a pas tiré, mais il a une information. Donc maintenant, il sait qu'il y a un joueur sur la droite du site, plutôt vers le... Enfin, voilà, sur la droite du côté de ce qu'on appelle le Shox.
Il va malheureusement pas le choper sur le timing, mais il va repérer un deuxième joueur qui s'en va. Là, il va lui mettre une balle. Et ça a l'air de rien, mais rien qu'avec ce petit contrôle des appartements, donc avec cette petite ligne, il prend deux grosses informations. Il sait qu'il y a un joueur qui est l'OHP, qui est reparti vers votre cul. Il sait qu'il y en a un autre qui est passé sur sa droite, qui est soit encore sur le site, soit au niveau du bac à sable. Ce qui est intéressant aussi, c'est la suite du round. Regardez, il va mettre cette smoke, je trouve vraiment pas mal. La mollo est pas dingue, mais cette smoke, en fait, elle va laisser un espace qui va lui permettre de couvrir le shox. Et ce qui est cool, c'est que pendant ce temps-là, eh bien, ses potes vont pouvoir s'avancer vodka sans avoir à se méfier de cette zone qui est ultra dangereuse. Parce que c'est très courant qu'il y ait un mec qui décale à l'arrache ici pour décaler la vodka. Mais grâce à la smoke de DW, eh bien, il peut vraiment couvrir que cette zone. Et ça va permettre à ses potes de s'avancer petit à petit. Là, ils vont réussir à avoir plus ou moins l'information sur le positionnement des deux joueurs. C'est-à-dire que JW va essayer de faire une première décale. Donc voilà, là, il sait maintenant qu'il y en a un dans le bac à sable. Il rate son shot, mais il sait qu'il y en a un sur le site. Et là, c'est très compliqué pour lui. C'est compliqué car, à partir du moment où il va sortir de l'appartement, il va être au milieu du crossfire entre le mec sur le site et le mec dans le bac à sable. Donc vraiment, il est très mal et c'est pas à lui de faire la différence. C'est à Crims qui est en ce moment en train de décaler la vodka. Il va en fait faire le bruit sur le mec vodka. Et à partir du moment où le mec vodka est appâté, et bien JW sort et fait le frag. Et ça, encore une fois, voilà, c'est vraiment du gros teamplay, de la grosse communication. Crims fait le lapin. À partir du moment où le mec bac à sable est occupé, JW sort et élimine le mec sur le site. Et voilà, à partir de ce moment-là, la prise du site peut être finalisée. On est en 2v2, je crois que JW va prendre les deux frags restants. Voilà, il repère. À partir du moment où il repère l'adversaire, il change de position. Il fait une excellente décale à cet endroit. Il repère le deuxième mec dans le petit interstice. Et il fait le frag de manière très propre. Donc voilà, un round qui a l'air insignifiant, mais que j'ai trouvé vraiment intéressant. Cette petite smoke sortie appartement, cette petite ligne, la prise de décision, le teamplay entre les joueurs. Bref, c'est un round super intéressant à décrypter en tout cas. Prise de la banane, JW fait un premier frag. Ils ont entendu une deuxième HE, donc ils savent qu'il y a un deuxième mec. Mais il y a la smoke qui tombe. Bon, je crois que ça, il va lancer sa mollo, mais elle fait un rebond bizarre qui va rien donner. On va continuer ils vont continuer un contrôle de cette zone. Voilà, Néo, il essaie de faire un move, il essaie de reprendre la banane. C'est plutôt bien pensé, mais c'est mal exécuté pour le coup. Et là, JW tombe. C'est un peu la même situation que le round de tout à l'heure. A priori, Hofmeister avait l'information qu'il y avait un mec qui était en train de faire le tour. Sauf que ce coup-ci, les terreaux étaient un peu trop obnubilés par la banane et ils n'ont pas eu le temps de réagir et de s'occuper de ce mec derrière. Dans tous les cas, Hofmeister 1v1, il a mis le clutch. C'est pas trop un problème pour lui. Et on arrive déjà, enfin déjà, ça fait déjà pas mal de temps qu'on est sur ce side, mais c'est le dernier round du side. Et on a un setup double AWAP du côté de Fnatic, ce qui est extrêmement, extrêmement rare. Voire même dangereux. Inferno, ça se prête pas vraiment à ce genre de setup. JW est en contrôle total. On retrouve encore une fois le même boost côté banane qui va encore une fois rien donner. Et le dernier truc que je trouve intéressant dans ce round, c'est encore une fois comment les Fnatic vont agir en fonction des informations qu'ils reçoivent. Déjà, les CT ont smoké comment dire, l'entrée de la banane. Quand ils ont ce genre de smoke, ils ont un timing pour s'avancer et se mettre soit côté rondin, soit sous les arches. Et en fait, là, ils viennent de lancer une deuxième smoke juste derrière. Et en gros, il y a deux choix. C'est soit ils sont derrière cette smoke, soit ils sont devant. Et justement, cette smoke est là pour faire croire qu'ils sont cachés derrière. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, c'est vraiment ça. Et du coup, les Fnatic sont juste pas naïfs. Ils savent que le mec peut être au contact et que c'est peut-être juste pour les appâter dans cette banane. Et du coup, voilà, ils tirent à travers les smokes. JW va utiliser sa smoke pour être sûr de bien nettoyer sous les arches. Et voilà, je trouve que c'est encore une fois la preuve qu'ils ne sont pas du tout naïfs dans leur contrôle map. Ils sont pas du tout naïfs en fonction des différentes smokes qu'ils voient et enfin, en fonction des différentes strates possibles en CT. On va se regarder la suite et la fin du round. Donc là, on peut voir qu'il est dans la smoke. Ça, c'est intéressant. Il se met déjà à moitié dans la smoke pour qu'au moment où elle disparaisse, il soit déjà en position. Là, ils vont décaler tranquillement un côté puis l'autre. Ça va pas donner grand-chose. Il y a Taz qui est opéré, mais malheureusement, il dépasse pas. JW va pas réussir à le faire tomber. Voilà, c'est Krims qui arrive à le faire tomber. Là, il se méfie de la vodka. Les kills sont faits. Hop, revenge JW. Là, il va prendre le petit interstice entre le camion et le mur pour faire tomber le dernier joueur.
Là, c'est un 3v1 et le round va être gagné tranquillement. Il voit qu'il n'y a personne dans le mid, donc il sait que le mec a forcément fait le backup par le spawn CT et il va pouvoir l'éliminer tranquillement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce side. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas encore une fois à me dire un peu ce que vous en pensez, à me dire vos retours, et puis à me dire ce que vous pensez de cette équipe Fnatic qui est en train de faire vraiment de dominer la scène CSGO de ces derniers temps. Et je pense qu'à Katowice, ça s'est vraiment vu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez. Je vous invite, comme d'habitude, à me suivre sur Twitter pour être au courant de mon actualité, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah, écoutez, de mon côté, ça reste un vrai plaisir et je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo.